Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le troisième épisode sur cette enquête, toujours la même, donc, sur Sherlock Holmes, toujours sur PS4. On va faire quelque chose parce que je dois avoir de nouveaux indices. Ah là, voilà. Après, il me reste quoi comme indice? Invitation et blessure. Ouais, bah pour l'instant... Je vois pas ce que je peux foutre des autres indices. Oh, c'est tellement romantique. Ouais, c'est ça. Du coup, faut que je sorte peut-être. Ah, attends, c'est quoi ça? Une carte de Londres et de ses alentours. Ça peut servir. Je pense qu'il faut que je sorte, hein. Parce que là, le truc, c'est que j'ai plus rien qui s'affiche. Mais du coup, j'ai pas... On va aller. Question de déranger leur marche sans raison. Je vais retourner voir le gamin. Je vais retourner voir le gosse et on verra voir ce que ça va de. On va voir. On verra voir. On verra bien ce que ça va donner. Donc j'ai regardé depuis, il y a bien plusieurs enquêtes dans le jeu, hein. Donc du coup on fera que cette enquête là en vidéo, ça suffira largement, puisque ça fera 3 ou 4 épisodes, peut-être même plus si je suis trop con et que j'arrive pas à trouver. Donc visiblement il y a 5 enquêtes dans le jeu différentes, donc je vais continuer cet cette enquête-là en épisode et je m'arrêterai là pour les épisodes. Après, je continuerai le jeu de mon côté. On va retourner voir le gamin. J'espère que vous trouverez mon père. Non, il a rien de nouveau à nous dire, lui. Bah merde. Merde, merde, merde. Il y a quelque chose à faire chez moi alors. Et j'ai pas fait gaffe. Parce que là, il me reste que ces deux indices-là. Et ces deux indices-là. Je peux pas. J'ai rien d'autre à faire avec les indices que j'ai là. Du coup, je comprends pas trop là ce qu'il faut que je fasse. Donc, je vais retourner chez moi. Il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a la gamine qui est arrivée là. Il y a bien quelque chose à faire avec la gamine. Eh bien, une sieste bien méritée après ta dure journée de labeur. Sur mon oreiller. D'ailleurs, la gamine, elle est plus là. Ah, d'accord, il faut examiner. Non, c'est pas ça que je voulais faire. En fait, voilà, faut examiner ce truc-là depuis le début. Ce n'est pas ce qu'il me faut.
Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Je sais pas pourquoi je me suis mis à chanter ça. Hein. Non, bah écoutez, là je vois pas. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ah, ça me. Excusez-moi, ça me chatouille l'oreille. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Non. Ce n'est pas ce qu'il me faut. C'est vraiment là-dedans qu'il faut regarder ou... Ou plus là-dedans. Un signe médaille, ce serait plus là-dedans. Ce n'est pas ce qu'il me faut. En plus, je suis con, c'est marqué là. Alors, un Wolfjack est une créature. Mille ou millièvre, c'était le surnom que se donnaient les hommes du 1er régiment d'éclaireurs. Ce régiment devint par la suite le 1er régiment officiel de tireurs d'élite de l'armée britannique. Quand même plutôt, on sait qu'il a été militaire, maintenant on sait où est-ce qu'il a été là, faut que j'examine quoi, la carte là, ça va pas être là-dedans. Ça peut être là-dedans. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Non, ça va pas être là-dedans. Ça, ça pourrait être là-dedans, par contre. Je suis désolé, je me retape tous les trucs parce que... Je me souviens plus... Grunston Oak. Ça va pas être là-dedans, hein. Non, c'est pas là-dedans. Ça me paraît bizarre que ce soit là-dedans aussi, d'ailleurs. Merde. Je vois pas trop dans architecture. Bah merde. Dans quoi ça va être ce truc ?
que j'ai une carte ou quelque chose, il y a un truc là-bas, mais ouais non, ça c'est, il va me dire la même chose que d'habitude. Une carte de Londres et de ses alentours. Ça peut servir. Mais là en fait, je vois pas trop dans quoi je dois examiner ça. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Grunstone's Oak, je suis désolé, hein, on perd du temps, mais je réfléchis parce que là je vois pas trop dans quoi je dois trouver ça. Je comprends pas trop, attendez. Parce que là, j'essaie de réfléchir un peu. Où est-ce que je peux... Où est-ce que je peux trouver ça? Mais là, je vois pas trop. En fait. Je ne comprends pas... Est-ce que je peux aller à la forêt? Non, je peux pas aller à la forêt. Il me reste invitation comme indice. Non mais c'est juste que je comprends pas ce que c'est que Grunstock machin là. Donc je pense qu'il faut que j'aille à la forêt hein. Parce que là je ne vois pas trop. Je ne comprends pas trop. Il faut ouvrir cette carte. Une carte de Londres et de ses alentours. Ça peut servir. Bah ouais, bah moi j'aimerais bien m'en servir. Attendez, je vais regarder l'indice qui me reste là. Faire quelque chose. J'ai mon téléphone qui arrête pas de vibrer. J'en ai certains qui sont qu'à moitié remplis quand même. Pour moi, il y a un truc à faire avec cette carte. Carte de Londres et de ses alentours. Ouais, pour moi, il y a quelque chose à faire avec cette carte. Je suis désolé si je parle un peu plus fort, mais je me suis un peu éloigné de... du micro. Vous savez ce qu'on va faire. On va faire comme le premier coup. Ce n'est pas ce qu'il me faut. 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 Je suis désolé, mais là je vois pas trop. Ce n'est pas ce qu'il me faut. 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 Je ferai des cuts ici et puis voilà. Hein. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qu'il me faut.
Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Oh putain, attendez, je suis con moi. Et voilà. Bon bah voilà. Bon bah ça va. Se trouve dans la forêt des pignes. C'est l'endroit indiqué en fait, sur la carte. Je suis désolé, j'ai tourné un peu en rond pour pas grand chose. Pour pas grand chose. Putain, le con. Voilà, maintenant on peut essayons aller sur cette carte. Essayons de trouver l'endroit indiqué sur la carte manuscrite. Alors maintenant, faut réussir à trouver où est-ce que ça peut aller. Et ça, ça va être une autre histoire encore. Je fais le tour de la carte. Je vais regarder quelque chose. J'ai pas lu ce qui était marqué là. Forêt des pings. Essayons de trouver l'endroit indiqué sur la carte manuscrite. Forêt des pings. Je vais encore mettre une plombe à faire ça là. Il y a oh, quelque chose là. Ah merde. Ah, j'ai dû louper quelque chose à un moment donné. Écoutez, on va passer et le voilà. Mini-jeu. Bon sang. Il faut que je me voilà, dépêche. On va essayer de pas perdre de temps, je suis désolé. Forêt. On va essayer de pas perdre trop de temps parce que là j'en ai déjà perdu trouver dans l'encyclopédie comment fallait faire. Donc Papa, ce garçon Wiggins, il vient souvent ici? Il m'aide de temps à autre sur certaines enquêtes. Pourquoi? J'aimerais bien lui parler. Lui parler? Oh, papa! À l'école, il n'y a que des filles. Et elles ont des conversations si ennuyeuses. Je suis sûre que Wiggins a des tas d'histoires intéressantes sur sa vie à Londres. Oh, ce serait si romantique. Non, Kate, je te connais. Tu vas lui faire peur et il n'osera plus remettre les pieds ici. Je vais lui faire peur. Excellent. Oh, Kate. Bon, très bien, je vous laisse. Je suis occupée, moi, petite. Alors, invitation avec carte. Sont allés à un rendez-vous dans la forêt indiqué sur la carte de George Hurst. Donc lui, il le savait. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller dans cette putain de forêt, voir ce qui s'y passe. Ma carte, elle est où? Forêt de machin, voilà, des pings, là. On va y aller, on va voir ce qui se passe, et on va peut-être enfin réussir à trouver un coupable. En tout cas, ça aura été une belle enquête. Franchement, le jeu est vraiment bien, je trouve. Même si des fois je suis un peu con et que j'ai un peu de mal.
Mais là, je trouve ça vraiment bien. Attendez, je vais continuer tout de suite, je bois juste un petit coup. Ah, et donc là, on voit la cinématique du début. Aller par là? Bah en fait j'ai pas trop compris. Il fallait que j'aille du coup. Ouh, aïe aïe aïe. Bah ouais mais bon je vais me faire des glingues. Faire des glingues, mais là je comprends pas trop où est-ce qu'il faut que j'aille en fait. Allez, j'arrive pas à me cacher. En fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris où est-ce qu'il fallait que je me cache, comment. Parce que là, c'est marqué abri partout, mais je me fais des glingues. Ça. Ah merde. Non, 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 on va prendre le facile. On va faire ce qu'ils disent. Non mais putain, bah ouais mais c'est bien de choisir le chemin facile mais si je peux plus courir et je peux plus rien esquiver au bout d'un moment aussi, on va avoir des emmerdes. Vite, vite. Oh putain. Oh merde, putain. Mais mets-toi dans l'abri là, bordel. Par contre, j'ai appuyé. Ça, c'est des choses, vous le savez, de toute façon, ceux qui me suivent. Quand j'appuie sur une touche... Ça me rend fou quand le truc fait pas ce que je lui demande. Là. Je vais par là. Faut que j'aille par là. Pareil les mecs. Où est-il? Il était pauvre. Il était pauvre. Cet homme a été tué récemment. Le corps est encore chaud. Allez les chiens, trouvez-le! Trouvez-le! Oh putain. C'est par là qu'il faut que j'aille? Non, non, c'est par là. C'est trop lent! Mais non, mais je suis coincé dans le décor! Non mais là j'étais coincé dans le décor! Oh putain de sa mère là!
Allez, décolle, vite. Où es-tu ? Allez, cours. Ah là 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 là. Ah putain. Là normalement avec les chiens. Donc là j'ai coulé. Et là vous voyez, je peux pas me mettre à l'abri. Là, je ne peux pas me mettre à l'abri. Ah, quand même. C'est vraiment des sales bâtards quand on y pense, hein. Soi-disant, il aidait les pauvres. Non mais là, comment tu veux que j'arrive? Oula, il m'a raté, j'ai eu de la chance. Là, comment tu veux que j'arrive à l'abri à temps? Là, par contre, j'aimerais bien m'y mettre. Allez, on fait pas le con. Ah putain, oh là là, ils m'ont raté à chaque fois là, tant mieux. Oh putain. Je sais pas combien de temps elle va durer cette phase. Non, allez, lève-toi. Cours. Allez, parce qu'ils arrivent vite, hein, ces cons-là. On arrive à les tracer le plus vite possible. Il est mort d'une balle en plein front. Allez. C'est le corps de Lord Arlington. Mon état se dégrade. Il faut que je panse ma blessure. Ouais, bah moi j'avance. Une baraque, à mon avis, faut y aller. Je peux me cacher ici. Ouais, mais pour l'instant, t'as pas demandé de te cacher. Le Quatermain Club, c'est sans doute la cabane de Lord Marsh. Eh oui, peut-être. Ceci m'aidera à panser ma blessure.
quelqu'un vient, il faut mieux le cacher. Ouais, mais là, se cacher là-dedans avec les chiens, ouais, je sais pas si ça sert vraiment à grand-chose, hein. Respirez, Lord Marsh. C'est bientôt fini. Qui êtes-vous ? George Hurst, premier régiment d'éclaireurs. Je suis venu rendre justice. Un ancien soldat. Quelle ironie. Et vous n'avez pas été admis au programme spécial d'éducation ? C'est exact. Un ancien soldat blessé ne vous servait à rien. Mais il peut encore être dangereux. Nous avons beaucoup chassé dans ces bois. Je n'aurais jamais cru devenir la proie. J'ai vécu une belle vie. Je me suis affranchi des limites fixées par les autres. Je n'implorerai pas votre pitié, misérable vermine. Préparez-vous pour le dernier voyage. De toute façon, lui, il est malade. Alors, dans les... Toc, on avait ça. C'est ça. Non, moi je dis... Je dis que c'est lui qui les chasse. Pour moi, c'est lui. Pour moi, c'est ça. Là, il y a sa tête là. Je peux rien faire là. Il y a un truc. Je devrais décider quoi faire avant de sortir du placard. Ben, je vais décider. Vous avez trouvé à utiliser tous les indices. Fait. Alors, ou alors vraiment, je me suis gouré. Il y a quelque chose qui va pas quelque part. Ouais, c'était ça. Alors, qu'est-ce qu'on choisit ? Moi, je dis qu'il est un peu ouf quand même. Hein. Ah, je sais pas si j'ai raison, mais... Laissez ce fusil, pour l'amour de Tom. Holmes ! Tiens, tiens. Un adversaire presque valable. Tom ? Mon Tom ? Si vous avez touché à un cheveu de mon garçon, vous allez me le payer. Tom est en sécurité, à Londres, avec un ami de confiance. À présent, finissons-en. Oui, finissons-en. George Hurst, il est temps d'arrêter le massacre. Vous auriez dû être arrêté il y a des semaines, avant de tuer Strawbridge par jalousie. Lâchez ce fusil ! Je suis peut-être blessé, mais je ne vous raterai pas. Si je vous avais eu dans mon viseur, je ne me serais pas contenté de vous blesser. Oh. Le meilleur détective d'Angleterre. Détective, regardez. Voilà comment vous êtes tombé malade, Lord Marsh. C'est en décapitant vos victimes, atteintes de tuberculose, que vous avez contracté la maladie. Ah, je me suis gouré. J'avais tort.
Le meilleur détective d'Angleterre. Assez. Vous allez mourir ici, Lord Marsh, et lentement. Ah, donc je me suis gouré. Non. Monsieur Hurst, vous avez déjà exécuté Lord Harrington et, je l'espère, Lord Collins et le docteur Fisher. La logique voudrait que vous vous occupiez également de Lord Marsh pour marquer la fin du Quatermain Club. Je vous laisse. C'est pas vraiment comme ça qu'on résout une affaire, normalement. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? George Hurst a seulement voulu faire justice lui-même. Il était seul à s'inquiéter de la disparition des pauvres. Il a abandonné son fils pour punir les coupables, conscient que personne d'autre ne s'en chargerait. J'ai trouvé 18 indices. Et je l'ai condamné, lui. Donc, j'ai trouvé tous les indices, mais j'ai pas condamné la bonne personne. C'est dommage. Mais bon, allez, on va la classer. Et on va s'arrêter là pour ce mini let's play sur le jeu. Donc comme ça, vous avez pu voir, pour ceux qui le voudraient éventuellement, à quoi il ressemble. Moi, je vais m'arrêter là pour ce let's play. Je continuerai le reste de mon côté. En tout cas, ça m'a vachement pris. Là, j'ai tourné, il faut savoir que j'ai tourné tous les épisodes à la suite dans la même journée. J'ai été bien pris dedans. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.